C'est bon? Applaudissez pour Marcus. Rendez-vous en mai. En mai 2020. Hein? Non, 2020. Tu n'es pas dégagé, il y a quoi? Parce que c'est le comportement des femmes qui ont le salaire. Ah. Bon, je vous présente maintenant Enguerrand Towa qui va. Tu fuis quoi? Viens parler au public, non, mon frère? Ça va? Vous voulez rire? Si vous voulez rire, applaudissez pour le garçon qui arrive. Ha! C'est un garçon que j'aime parce que lui, il commence doucement. Hein. Lui, il prend son temps. Mais quand il va allumer, c'est la magie. Voici le Mbitakola. Mbitakola! Est-ce qu'on applaudit pour Mbitakola? Mbitakola! Hello! On dit voici venu pour vous, Mbitakola. Vous n'applaudissez pas. Apparemment, c'est comme s'il y a les gens à qui je dois de l'argent ce soir. Et il y a de quoi les Manu Dibango vont arriver en Europe et Calais. Honnêtement, nous, on ne valorise pas nos artistes. On ne valorise pas nos stars. C'est ça qui m'énerve. Je prie Dieu tous les jours que grand fait que je voyage. Si je pars, ne serait-ce que, si, que ici au Gabon, c'est mon corps qui va rentrer. Ailleurs, quand on te voit passer, s'il vous plaît, vous êtes artiste? Oui, merci, mais une photo. Le Mbourman se place. On fait la photo. Ici. Oh, Mbita, c'est comment? Fais-moi rire. Avec les pareilles mentalités, on va évoluer comment? Alléluia. Pour vous dire la vraie vérité, c'est que on ne doit pas attendre que quand, lorsque une personne décède pour lui faire le témoignage. On doit témoigner, mais lorsqu'on est encore vivant. J'ai mal parlé? Normalement, quand je... Bon, même si dans les rêves, le voyage, c'est le voyage. Quand je vais sous d'autres cieux, par exemple comme au Québec, je sais que dans vos cœurs, vous êtes en train de dire, Mbita, tu manques. Même si je manque, acceptez seulement, vous et moi marchons ensemble. Quand le présentateur prend le micro, il te présente. C'est même pas comme Jacob. Tu as le goût de faire ton métier. Ladies and gentlemen, good evening everyone here tonight. I have a pleasure to introduce to you right now on this platform. Please, put your hands together once more to welcome this young and talented comedian, call himself Mr. Mbitakola! Allez là! Il y a déjà au moins trois mots. J'entends la fille, wow! The guy is so sexy! Wow, I love this guy! Même par erreur, quelqu'un a dit, I love this guy. Vous voyez la sorcellerie? Qu'une personne dit même serrer le cœur, même si je suis laid. Je suis laid, et puis quoi, vous fabriquez les gens? Est-ce que c'est comme ça que le machin là, il est? Je suis laid, oui, je reconnais que je suis laid, alléluia. Amen. Dieu n'est pour rien. Ce sont souvent d'accuser Dieu pour. C'est à cause de mon père. Le type là connaissait qu'il n'était pas beau. Il était parti prendre ma maman qu'elle n'était pas belle. Vous me regardez le résultat sur moi. Après, on va nous dire que Dieu a créé le mal son image. Entre nous, c'est comme ça que Dieu était. Alléluia. Ce qui est pour toi, c'est ce qui est dans ta... Mais quand tu donnes aux vêtements comme ça, tu ne connais pas que tu me mets dans les problèmes grands. Parce que tu peux donner comme ça, dès que je veux partir, je comprends. Pss, ça veut dire que j'ai travaillé pour... Tu as déjà couru avec les gens là la nuit. Hey, je vous conseille, si vous êtes quitté de Souboum, vous êtes quitté de Bilongue, de kilomètre 5 de Mabanda, venez assister à Ri à Gogo. Si vous farotez, vous pouvez les billets, l'argent finit, peut-être vous dormez ici. Hein?
J'aimerais vous revoir encore à la prochaine édition, hein. Et si tu tiens à rentrer, retrouver la famille à la maison, tu n'as plus 5 francs sur toi, stop le taxi. Ne dis pas au taximan que tu n'as rien sur... Dis seulement sous boum, si tu deux midi, seulement allons. Dans le taxi, tu commences à dire, les gens disent que c'est Arafat qui a cherché sa mort. C'est ça qui est en actualité. Ça va intéresser le chauffeur. Vous allez discuter. À l'entrée de ton quartier, descends, ne fuis pas. Tu fuis, crie, volons, on va te tuer. Alléluia. Ce que tu fais, c'est que dès que tu descends, tu retires le haut, tu jettes. Mais là, c'est un endroit où tu vas remarquer. Tu retires le pantalon aussi, tu arraches les herbes, tu arrêtes la main. Tu commences à faire comme si tu devenais fou. On va prier, vous voulez mon fils, prenez que ma tête. On va prier, vous voulez mon fils. Tu vas entendre le dansement du grand frogo en Ayubalok. Est-ce que le rythme est bon? How old do you make some noise? That's bullshit, man. Population, oh! Pour vous dire la vraie vérité, c'est que si j'ai l'expérience, je ne partage pas avec vous. Les gens meurent trop maintenant. Bêta, on partage ensemble. Non, c'est ça qu'on appelle l'esprit de partage. Entre nous, avant, Père Mitouba, dans chaque famille, c'était très difficile de voir un handicapé ou un aveugle dans une famille, je m'en. Mais dans chaque famille aujourd'hui, il y a au moins un handicapé ou un aveugle. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, quand la mère était enceinte, le père ne passait plus à côté. Jusqu'à ce que la mère accouche. Mais de nos jours, tous les jours, tu es là, toc, toc, toc. Tu ne connais pas la position de l'enfant dans le ventre. Et il y a les enfants qui sont accouchés dans le ventre, c'est la partie qui regarde dehors. Et que tu viens avec le fer tous les jours, toc, 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 toc. L'enfant là ne serait pas à côté, parce comment? Il y a les enfants qui sortent avec la tête, j'ai mal parlé. Un enfant qui attend son jour, tous les jours, tu viens. L'enfant là va voir comment. Même si on opère le miracle, il sera aveugle. Donc il faut copier comment nos parents vivaient. Allez. Alléluia. Mais j'ai un petit constat, c'est que quand un pasteur connaît que sa femme est belle, sur la plaque de l'église, les deux sont ensemble. Quand un pasteur connaît que sa femme est belle, tu vas voir révérend and docteur pasteur. C'est un couple de pasteurs. J'ai mal parlé. Mais si la femme de pasteur est seulement là, le pasteur est seul sur la plaque. Et quand la femme de pasteur est belle, elle est au premier banc. Ça veut dire que même à l'église, on connaît la beau. Chacun de nous a un quartier. Nous tous, on a grandi dans un quartier. Évidemment, à l'entrée de chaque quartier, il y a ce qu'on appelle, c'est le parlement, les gens qui ne font rien. Tu montes, on s'occupe de toi, tu descends, on s'occupe de toi. Nous sommes les gars du parlement. Quand un gars du parlement réussit à entrer au quartier avec un dossier qui est top, lui il sait que le dossier c'est... Et sa démarche change. Regardez comment un gars du parlement entre au quartier avec un dossier qui est là. Et quand il entre avec le dossier, si le dossier n'est pas top, tu entends seulement ma cheville. On a presque arrivé, ma cheville. J'ai mal parlé. Et le français nous avait appris, quand ta femme est belle, tu ne la présentes pas, tu l'introduis. Ce n'est pas moi qui crée le français. Quand ta femme est belle, devant les collaborateurs, tu ne la présentes pas, tu l'introduis. Oh, monsieur, alors comment tu vas, ça va? Chérie, s'il te plaît, tu viens? Notre DAF. Oh, monsieur Romiel, ça va? Chérie, s'il te plaît, tu viens? Mon dentiste. Mais quand l'anglais n'est pas top, tu arrives où il y a tes collègues, on entend seulement moi, you know. Yes, yes, yes. N'a rien fait manger, j'en dis ça. Si vous n'applaudissez pas, c'est que vous êtes malheureux. Alléluia. Le dentiste Romiel. Pour sortir rapidement, quand vous riez comme ça, ça vous fait comment? Quand vous riez comme ça, ça vous fait comment? Dieu a créé ceux qui vont assister les autres et les autres vont le faire rire. J'avais préféré être là-bas, comme ça l'un de vous soit ici pour comprendre ce que ça fait. Que les gens sont confortablement installés, tu es debout, que tu fais le théâtre, c'est un nouveau théâtre. Regardez ce qu'un père de famille fait devant vous.
Alléluia. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le comportement de l'homme représente son caractère à 90%. Il y a trois présidents. Trois présidents. S'il vous plaît, c'est le théâtre que je fais. On ne sait jamais. Ils vont rendre visite au pape Jean-Paul II. Au moment de l'entrée, voilà comment l'avion perd le contrôle en l'air. On a George Bush des États-Unis. On a... Alléluia. Mombo, tout ce que je prends, ce n'est pas pour manger. Hein. C'est pour aider les malades dans les hôpitaux. En commençant par moi-même. On a George Bush des États-Unis. On a Jacques Chirac de la France. On a un troisième président. Je n'ai pas moi parler son... Parce que quelque part, ce n'est pas le nom de... Ils vont rendre visite au pape Jean-Paul II. En rentrant, voilà comment l'avion perd le contrôle en l'air. On demande à George Bush, Mr. Excellency, how do we not find yourself that you are in America? Oh, alléluia. Ah, mon cocorico. Mon dossier. Même si tu es venu avec quelqu'un, j'étais là avant. Elle donne encore l'autre pour témoigner son amour. Ok, là, avec son gars. Ça, c'est le message, vous ne comprenez pas. On a discuté codiquement parlant. Comme je vous expliquais, on a trois présidents. On a George Bush des États-Unis. On demande au président George Bush, comment tu vas faire pour connaître que tu es aux États-Unis? Il a dit, don't worry, the move. When I get myself in attested, I will let you know that here is America. Quand il a vu la statue de liberté, il a dit, here is America. On l'a déposé. On a le deuxième président, Jacques Chirac. On demande à Jacques Chirac, Excellence, comment vous allez faire pour connaître que vous êtes en France? Il dit, ben, ne vous inquiétez pas, il faut à Paris. Je vous dis, je suis à Paris, moi. Quand il a vu la Tour Eiffel, il a dit, ça, c'est Paris. On l'a déposé. Il y avait le troisième président. Et c'était le président de quelque... Et quelque part, ce n'est pas le nom d'un pays. Si vous voulez qu'on prononce, peut-être on prononce ça, nous. Comme ça, si on veut récupérer, on nous récupère, nous. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Alléluia. Amen. On ne fait que partir. On dit, Excellence, le carburant signale déjà. Il fait comme s'il ne comprend pas. Vous dites que je transpire. Les messieurs là transpiraient, monsieur. Excellence, le carburant signale déjà. Il avait un Rolex qui coûtait 12 millions de dollars. Le monsieur qui est placé au rond-point comme ça là. Ça, c'est pour signaler aux nouveaux venus que Douala, c'est une pâte de bâcher. Est-ce que dans l'avion, on voit la statue là? Le père réfléchit. Il réfléchit. Il avait un Rolex qui coûtait 12 millions de dollars. Quand il a envoyé sa main de Hompang, en revenant, il n'avait plus la montre sous sa main. Il a dit, laissez-moi ça, c'est le Cameroun. Hein, que ça, c'est quelque... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'étais et je demeure votre humble serviteur. Bitakula du Cameroun, c'est mon nom. Je vous dis ma révérence. Thank you.